Salut à tous, ici Sprilex et bienvenue dans ce 13e épisode hors série sur The Legend of Zelda Breath of the Wild. Donc dans l'épisode précédent, on avait on a récupéré donc le cheval noir géant que voici et nous avons senti qu'il y avait un sanctuaire à côté de là où on l'a capturé, donc on va y retourner. Voilà, oui, c'est vrai que il n'est pas encore à 100% coopératif, étant donné qu'on vient seulement de le capturer. Voilà, très bien. T'auras une pomme à l'arrivée si t'es sage. Très bien. Alors, on suit le chemin. Enfin, en tout cas, on essaye de le faire suivre le chemin. Non, il veut pas. De galop, enfin il n'y a pas de grand galop plutôt. Alors c'était par ici, je regarde la carte en même temps. On arrive des côtés du marais, c'est très bien. Donc, voilà. Voilà, et c'était dans le coin qu'on avait senti. Je ne sais pas ce que j'ai écrasé. Mais enfin, bref. Alors, on va aller près des... Voilà. Et hop, 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 hop. Où est-ce que tu vas, toi? Allez, tourne. Allez, tant pis, on avance tout seul. Donc il y a un sanctuaire dans le coin. Alors il se trouve par là. Au-dessus de ça. Donc là, il me faudra le set d'escalade. Voilà. Ok, et on est parti. Voilà. Ah, il est là.
Très bien. Oula. Ok, on a trouvé un nouveau sanctuaire. Et donc, ce n'est pas une bénédiction. Ce n'est pas juste un défi. Sanctuaire, saisir l'instant, sanctuaire d'Iosso. Saisir l'instant, d'accord. Alors, ok, il y a un interrupteur là. Ok. Alors, comment passer ce laser? Passer le laser, ça va être encore relativement facile. Il suffit juste de faire le paravoile ici. Yep. Ou même pas. Topaz brut. Ok. Et là. Oh. Ah ouais, d'accord. C'était pas volontaire. Mais tant que ça marche. D'accord, oui. Ok, j'ai compris. C'est ça. Alors, à partir d'ici, il y a un coffre là-bas. C'est parti. Parfait. On avance. Parfait. Donc on n'a plus qu'à sortir, et là pour sortir, c'est ça. Eh bien, parfait. Rondement mené. Alors, ça nous en fait combien? Ça nous en fait 88. Alors, on continue. Bien entendu, il y a tous ceux qui sont des défis. Bon, j'en ai fait quelques-uns avec vous, mais je ne les ferai pas tous. Je les ferai de mon côté. J'ai bien envie de découvrir la zone là, parce que ça me paraît bizarre qu'il y ait autant de déchets. Hein, il y a quelqu'un. Non, c'est bon. Hein ? T'es qui, toi? Et toi, t'es qui? Moi, je suis Moza.
J'essaye d'inventer des recettes ultimes. Alors je reste loin de la civilisation pour me concentrer. Et ce signal? Quel signal? Hein? Tu veux parler de cette fumée? Ce n'est pas un signal. Je suis en train de cuisiner. Ça se voit, non? C'est brûlé. Toi aussi, tu trouves que c'est brûlé? En gros, c'est raté, quoi. Chaque fois que je cuisine, mes plats sont dégoûtants. Je ne prépare pourtant que les recettes ultimes que j'ai inventées moi-même. Alors pourquoi? C'est quoi tes recettes? Ah. Oh, ça t'intéresse? Tu vas voir. Tu vas préparer des plats succulents. Enfin, normalement. Je peux te parler d'un plat de viande sublime ou du plat de viande antique et du plat de survie ultime. Alors, bon, la viande sublime. Très bien. Je vais te donner la recette du plat de viande sublime. Tout d'abord, il te faut un morceau de viande, volaille ou venaison, c'est au choix. Ensuite, fais-la sauter en ajoutant... Oups. Du minerai bien frais. Berk. Pfff, il faut faire sauter la viande avec du beau minerai scintillant. Ça doit donner un plat absolument sublime, ça me paraît évident. Cela dit, à chaque fois que j'essaye, ça donne un plat brise-dents. Je ne vois pas pourquoi il briserait les dents pourtant. Mais quand je cuisine avec des ingrédients qui semblent parfaits, j'échoue. C'est difficile la cuisine. Tu veux que je te donne une autre recette? La viande antique. D'accord, je vais te donner la recette du plat de viande antique. D'abord, prends un beau morceau de viande, volaille ou venaison, comme tu préfères. Puis fais-la griller avec un ingrédient que tu trouveras sur un gardien détruit. Ouh. Une pièce antique. Mélanger de la bonne viande avec des pièces qui ont une longue histoire. Ça ne peut que donner un plat antique que personne n'a encore jamais vu. Mais à chaque fois que j'obtiens un plat douteux, et en quoi est-il douteux d'abord? Même quand je cuisine avec des ingrédients qui semblent parfaits, j'échoue. C'est difficile la cuisine. Ok, le plat de survie, j'ai peur. Ça marche. Je vais te donner la recette du plat de survie ultime. D'abord, il faut vaincre des monstres, tout plein de monstres. Ensuite, il faut faire cuire ensemble les ingrédients de monstres. Berk. Il faut manger n'importe quoi. C'est ça la survie ultime. Et tant pis si ça fait un plat douteux, hein. Après tout, qu'est-ce qu'on y peut? Mais quand même, en quoi est-ce douteux d'utiliser des ingrédients de monstres? Même quand je cuisine avec des ingrédients qui semblent parfaits, j'échoue. C'est difficile la cuisine. Ok, en fait ça ira. Ah bon, c'est dommage. Ces recettes valent de l'or, tu sais. Ok, allez, on avance. On peut poser une petite bombe ici. Et attention les yeux. Rien eu. Zéro de chez zéro. Bon. Alors. Tant qu'on y est, on peut une fois regarder ce qu'il y a d'intéressant par ici. Alors au cas où, je m'excuse pour l'interruption qu'il y a eu pendant le dialogue, étant donné que quelqu'un sonnait à la porte. Donc attention au loup. Ah. Ok. Les autres étaient trop loin.
Alors, c'est quoi ce plateau qui est juste devant là? Je ne sais pas, mais ça me dirait. Sinon, on peut une fois aller voir la chaîne de montagne qui est là-bas. Alors, comment on grimpe tout là-haut? Déjà, on peut grimper jusque-là. Ok. Faut que je trouve un autre palier. Alors, ici. Par contre, si je fais ça, là, ça va aller. Merci, Révali. Ok, c'est un golem. Bon, ben on va le faire. Hein. Non? C'est pas un golem? Ah, si. Hop. Alors, petite flèche explosive. Bingo. Alors, qu'est-ce que je peux prendre comme arme? Bon ben. Voilà. Allez, arrête. Voilà. Très bien. Bon, ça fait bizarre d'avoir des gemmes nox comme ça sur un Litorok, mais. Ok. Alors, je suis perdu. Par là, d'accord. Donc, la chaîne de montagne qui est là. On est parti. Commence à être plus fraîche. Donc il y a le sanctuaire qui est juste là derrière, enfin sur le côté. Aïe. Où est mon arme? Voilà. Un bouclier rouillé. Mon arme. Mon épée royale. Ok, alors. C'est un loup. Ah. Il y a un corgou jusque-là.
Ok, donc... Non. Où est ce ballon? Alors ensuite, eh bien on va grimper, hein. Très bien. C'est pas grave, on les laisse tranquilles. Voilà. Alors, il commence à faire froid. Donc, on va se protéger. Alors, on va se protéger avec... Ok. On va grimper tout en haut, voir si on voit rien de spécial, pas de sanctuaire, quoi que ce soit. Alors, je vois qu'il y a un lac ou une rivière. Chose ici. Qu'est-ce qu'il y a dans le glaçon? Le glaçon diminue, c'est déjà ça. Ok. Donc on va les laisser tranquilles, là. Mais c'est là qu'il n'y a rien du tout. Allez. Voilà, mince, je l'ai brisé. Alors j'ai toujours ça. Rien que de rester à côté avec cette arme, ça fait fondre. Mais ça devient vraiment tout petit, hein. Qu'est-ce qu'il y avait de là-dedans? Allez. Un corps au goût. Ok, bon ben...
Je pensais que ce serait plus utile que ça. J'ai perdu une arme pour rien là-dedans. Alors, on peut monter plus haut. Il y a du gardien ici, c'est pas pour rien. C'est joli. J'entends une pieuvre. On va avancer. Il y a quelque chose. Un bâtiment. Un ancien bâtiment. La vue est super jolie hein, quand vous voyez ça. Bon, il y a des loups. Mais quand vous voyez ça, la vue. Alors, il y a un trou. Alors, il y a un bâtiment. Ok. Quoi faire un feu? On fait un feu. Ah! Journal des neiges. Voulez-vous lire le journal des neiges? Première page. Ici sont consignés les rapports de recherche sur l'épreuve du héros qui repose dans les montagnes Gerudo. Premier jour de recherche. Je suis venu dans ces montagnes pour enquêter sur l'épreuve Gerudo dont il est question dans les écrits anciens. Bon, voici ce qui est écrit. L'épreuve du héros repose dans le piédestal des montagnes enneigées Gerudo. Je suis enfin arrivé au piédestal que mentionne ce texte. Septième jour de recherche. Voilà sept jours que j'ai découvert le piédestal des montagnes enneigées. Mes vivres sont presque épuisés. Venir enquêter sur place m'a permis de remarquer que les écrits contenaient une clé pour résoudre le mystère. Quand brille le piédestal des montagnes enneigées, allume un amas de ténèbres en son centre. Au cours de ces sept jours, j'ai pu me rendre compte que le piédestal émet une faible lueur à certaines heures précises. En revanche, j'ignore quelle peut être la signification de « allume un amas de ténèbres ». Je ne sais plus depuis combien de temps je poursuis ces recherches. Je sens que je suis tout proche de percer le secret que renferme le piédestal. Mais mes vivres sont épuisés. Je ne peux plus poursuivre mes recherches. Les ténèbres, c'est l'ombre. Ok, les ténèbres, c'est l'ombre. Et donc... Ah d'accord, il est là. Donc il faut réussir à faire une ombre là-dessus. Bon ben... Je vois qu'il y a de l'eau ici. Alors déjà... Ok, il n'y a plus qu'à attendre en fait. Hein. Je vois qu'il y a une boule de neige. Il y a quelque chose là-bas, il y a un loup déjà. Là-bas, c'est quoi?
me paraît loin quand même. Hein. Enfin, loin. Tout est relatif, bien entendu, mais... C'est quoi ça? Un caillou? Une boule de neige. Alors, voilà. Ah. Donc il faut que l'ombre arrive. Je vois pas mon ombre à moi. Ah si, là-bas. D'accord. Il faudrait qu'on arrive à faire de l'ombre sur le piédestal. Mais je ne sais pas à quelle heure ça va être possible. Alors, il est midi 45, midi 50. Nous pouvons donc attendre ici un peu en espérant que ça aille vite. Ah, un ennemi. Au moins, ça m'occupe. Toujours pas allumé. Pendant ce temps, on peut une fois regarder l'océan à perte de vue. Alors, la tour là, je l'ai déjà. Zut. Dans ces montagnes aussi, il devrait encore avoir des sanctuaires. Mais je ne sais pas où. Ça, c'est le gros problème. Alors, ça se rapproche. Alors, ce sont des pas. Sanctuaire là en bas, c'est celui qu'on a fait dans l'épisode précédent, je pense. Alors ça se rapproche.
ne sais pas s'il est allumé, mais... On va commencer déjà à se poser. Ah, voilà. Très bien. Donc c'est bien ça. Il n'y a plus qu'à de l'ombre en son centre. Donc là, on a qu'à attendre. Allez, allez, allez. C'est bon. Allez. Non? Alors, je ne sais pas. J'ai pas compris. Non? J'ai dû louper un truc. Bon, eh bien vous savez quoi? On va le noter sur la carte. Voilà. Et on va y revenir à un autre moment, parce que là, j'ai pas trop envie de chercher. Pas envie de passer tout mon temps là-dessus. Donc, je vais aller voir les piliers qui est là-haut. Et puis, on va aller voir autre part, si on a encore le temps. Ici, ça doit être encore au goût. Ah, bingo. Voilà. Alors, on va un peu voir. Donc, il y a ici. Il y a peut-être quelque chose encore par là. Ici. Tourbière de Rabel. Là, il me semble qu'il doit y avoir quelque chose. Étant Marco. Ça, ça sent le... L'île toute seule, ça on a fait. Avec la plage. Là. Ok, on est déjà passé par là. Et bien on va repartir de là. Et on va vite aller voir ce qui se passe du côté de ces... De ces lacs. Ok, j'arrive ici. Comme d'habitude, c'est la... C'est l'orage extrême de la mort.
On va grimper là où on peut. Ça a l'air de se calmer, c'est très bien. Ok, alors. Là, on est où? Très bien, c'est juste en face. Eh bien, on va y aller. On observe. Ah, il y a un corbeau. Alors, il me faut une deuxième pomme. À prendre. Et on la met dedans. Bingo. Voilà, alors on va prendre, on va prendre pour l'instant les pieux. Donc le lac c'était là. Ta pointe beaucoup. Ok. On en profite tant qu'ils dorment. Il y a un gros. Il y a un énorme qui est juste là-haut, sur la colline. Ok. Alors, on y va doucement. On prend une arme plus puissante. Pas grand chose de puissant, je peux toujours prendre la glace. Ok. Ah.
pauvre ne se lève toujours pas. Ok. Alors. Eh ben, sommeil de plomb celui-là. Bon, allez, il est temps de le réveiller en fanfare. Avant qu'il y ait de l'orage, c'est parti. Aïe aïe aïe. Je te protégerai. Alors, Inox est né. Oh purée. J'avais oublié ce petit détail, j'ai pas beaucoup de défense. Parce que je n'ai pas mon armure complète. Voilà. Yep, ça pique. Alors. Les repas. Eh bien, on va prendre ça, prendre ça. Ok. Wow, j'ai eu chaud. C'est quoi ça? Oh, une boule. D'accord, il y avait une boule à son cou, je l'avais pas vue. Alors, on va changer deux, trois petites choses. D'abord, on va prendre de meilleures armes. Ça, jeter. Ok, on va prendre la hallebarde. Au niveau des arcs, 14, jeter. Et on va prendre l'arc royal. Ah, 47, hein. Ok. Alors, elle est où la boule? J'ai perdu la boule. Elle est là. Ok. Bon, je ne sais pas où la porter. Mais au moins j'ai une boule. Alors, ici, mont du Tern. T'en fais la tronche. Bien, on va essayer de le monter au mont du Terme. Au moins, on y verra peut-être plus clair. Oups. Voilà. Je me rends compte que ça va peut-être pas être évident.
Alors, on va suivre la montagne. Les chauves-souris nous suivent. Ah bah. Oups, il y en a trois. Bon, eh bien. On dépose. Ok, et donc les deux autres. Quelque chose là. Les orbes antiques protégés par les géants du mont du terme ouvrent le chemin de l'épreuve du héros. Le secret des trois géants, d'accord. Donc il y en avait un ici. Bah, j'imagine qu'il y en aura un là. Bingo. Allez, à 40. C'est parti. J'avais oublié que c'était une arme à une main. Allez! Allez, montre-toi. Voilà. Parfait. Pas trop de difficultés non plus. Dracomasuboko. Et bon, on va prendre la boule et on va la porter là-haut. Enfin, je pense que c'est, ouais, c'est là-haut. C'est là-haut, mais il faut trouver l'endroit pour. Donc ici, il y a l'air d'avoir un chemin. Ok, c'est ça. Et là, voilà. Alors le dernier, ça doit être là. Dans toute logique. Ok, je le vois. Maintenant, j'aimerais bien. Bon, je peux toujours le faire comme ça. Donc, se mettre dans ses pieds.
lui, il n'a pas d'armure au pied, donc c'est très bien. Et c'est parti. 1. Aïe. Voilà. Oups. Ah, Draco bat de Boko, c'est bien mieux. Donc ici, on va jeter... Monsieur à pointe... Bata pointe... Monsieur à pointe, jeter. Très bien. Et voilà. Alors, faut regrimper. Alors, il y a un chemin juste là. Voilà, c'était pas très compliqué en fait. Et ça me fera un sanctuaire de plus. Ok. On va aller voir. Le secret des trois géants terminé. On passe dedans. Normalement, ça devrait être qu'une bénédiction. C'est bien ça. Ok. Alors, longue épée électrique, c'est très bien. Je vais virer. Voilà, ouais, l'épée rouillée. Et je prends l'épée électrique. Ok. Très bien, et donc on va s'arrêter là. Et on reprendra donc dans le prochain épisode. Je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous savez plus ou moins où il y a des sanctuaires. Je serai heureux de le savoir. Si vous savez comment activer le sanctuaire que je n'ai pas réussi à activer, vous pouvez me le dire aussi dans les commentaires. Laissez des pouces en l'air pour me dire que vous appréciez. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Et enfin, bien entendu, suivez-moi sur les réseaux sociaux et partagez ces vidéos sur les réseaux sociaux. Ça me ferait très plaisir. Sur ce, je vous laisse. Portez-vous bien et à la prochaine vidéo. Bye!